name is Alan Johannes, or Alan Johannes, as my American friends call me. I've been a musician since I was basically 4 or 5 years old. I'm a producer, multi-instrumentalist, because I've been playing guitar so long that I picked up other instruments. And I started with my first band during high school called What Is This? And then I had a band called Walk the Moon. And I had a band called Eleven, then kind of became part of that whole grunge scene opening for Pearl Jam and Soundgarden. Then became a member of Queens of the Stone Age, either recording on the records and eventually joining, and also working on the engineering side. And I was also a member of Them Crooked Vultures, the live version. Yeah, I mean, it's my life in music since I was, very young. L'idée de travailler avec Alain est venue assez naturellement, puisque dans nos références, il était très présent, soit comme musicien, soit comme réalisateur, soit comme arrangeur. For me, being asked to be part of Ghost Recon Wildlands was absolutely a dream come true. And I've always imagined music very visually, and to be finally able to do that directly within this context, with this wonderful, incredible open world, it's just a total joy. So I said yes. Super excited. On est très fiers qu'Alain ait accepté le projet, on est très heureux. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et j'ai l'impression que tout le monde est très très enthousiaste à ce sujet et ça fait vraiment plaisir. On a été chaleureusement accueillis chez Alain. On a commencé à enregistrer dans sa maison. C'est un endroit incroyable qui est plein d'instruments du monde entier et le truc qui est fou, c'est qu'en fait, il est capable de tous les jouer. La première fois qu'on a mis les pieds chez Alain, ça nous a vraiment frappé. Il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas un instrument. C'est vraiment incroyable. The composing and recording process has very much to do with reacting to the visuals and the gameplay and the world. It's much more cinematic and a little more intimate, I suppose. That really feeds the compositional aspects. D'habitude, on envoie des documents très détaillés aux compositeurs qui structurent les thèmes, qui donnent les tempos, qui donnent les tonalités, etc. Et pour cette fois-ci, en fait, on a juste installé des écrans qui montre des scènes de gameplay du jeu, les paysages, les environnements, l'open world. Et on demande à Alain d'improviser sur ces images et on réagit avec lui, on le guide, on a vraiment des très belles choses. With the guidance of Manu Gislin, it has this amazing back and forth feedback, fine tuning it. And then the recording process is just basically setting up, the right sounds for the right instruments and then literally watching the gameplay and reacting to it, and then fine-tuning arrangements and adding textures. Au début du projet, on est allé en Bolivie pour être sûr que ce qu'on allait rendre dans le jeu était le plus proche possible de la réalité. Et concernant la musique, ce qui m'a frappé là-bas, c'est que tout le monde joue de la musique tout le temps. C'est-à-dire qu'on est allé dans une communauté quechua et tous les enfants, tous les adultes, tout le monde avait un instrument en main, particulièrement des charangos, des flûtes de pan. On a essayé de garder cette couleur dans le score de Ghost Recon Wildlands. Alain apporte au jeu sa sensibilité. Il est multi-instrumentiste, il est ouvert sur plein de cultures. Il apporte une grande diversité et beaucoup de caractère à tout ce qu'on lui demande. On a des textures très très diverses et très très riches, ce qui permet de bien mettre en valeur tous les environnements différents de notre open world. I think the way that it achieves that is by having all these different dimensions depending on where you are. It's an open world, so you can walk off up a mountain and obviously some things are going to be a little more meditative and even slightly peaceful. And then as the environments change and the tension starts to build, the tension increasing even more and like there being chaos and fighting, there's so many different moods that are possible. Ghost Recon Wildlands, for me, being a ghost is just like being the most badass possible soldier and having this amazing team that you're going to do something so incredibly heroic and dangerous, and your skill set is so high because obviously the amount of danger and how many more enemies there are, and the ability to be stealthy, the ability to command all the different weapons. Superhero almost personage to me, like something that is worthy of admiration and praise and is inspiring.